What's the zhu in Zhuya? It has something to do with Confucianism. Huh? Ah, like the wisdom teeth? Huh? Bonjour tout le monde! 今天呢，我们想和大家来一起聊一聊如何和学习中文的外国人交流。就像大家刚才看到的那样，我和陆爸之间出现了交流上的障碍，这是为什么呢？对于很多西方人来说，在学习中文的时候，音调是一个很大的问题，因为呢，在西方很多语言当中是没有四声，没有声调这种说法的，所以对于他们来说就很难听得懂我们汉语当中的这个妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈。所以刚才呢，其实陆爸是想问我乳牙是什么，就是小孩子的乳牙是什么意思，然后但是他说出来我听到的是，但是我听到，我以为他想问我儒雅是什么意思，所以这就造成了我们交流上的障碍。Va bien. Tu bouges plus par contre après. Donc quand un étranger parle en chinois, surtout pour les débutants, il ne faut pas imaginer qu'ils utilisent forcément le bon ton. Donc si un mot vous semble bizarre, il faut que vous imaginiez ce que peut-être il voulait dire d'autre, en mélangeant les tons dans son mot. Un deuxième point très important, c'est quand on vous demande de répéter quelque chose, il ne faut pas le répéter plus fort, il faut que vous le répétiez plus doucement. En fait, c'est pas qu'on n'a pas entendu, c'est qu'on n'a pas compris. Donc, répétez plus doucement, s'il vous plaît. 第三点呢，就是对于学习中文的外国人来说，量词也是一大难点。Donc ce qu'on appelle en français les classificateurs, c'est quelque chose que l'on a un petit peu de mal à comprendre en France ou pour les étrangers en général, alors qu'en fait nous aussi on en a. Donc si vous voulez expliquer à des étrangers ce qu'est un classificateur, il suffit de leur dire par exemple que on les utilise pour dire une tranche de pain, un carré de sucre. Ça, ce sont des classificateurs dans notre langue. Le seul problème, c'est qu'en chinois, ils sont un peu plus vagues. Mais en tout cas, pour l'idée, c'est plus facile de comprendre comme ça. Donc, vous moquez pas, s'il vous plaît, quand on se trompe de classificateur. Quatrième point, ce sont pour les hanze. Alors, la plupart des étrangers qui apprennent le chinois sont vraiment très heureux d'apprendre les caractères chinois. C'est plutôt classe quand même. Seulement, quand on les apprend, on nous explique, nos enseignants nous expliquent que chaque caractère a une signification et un son. Donc nous, on est plutôt curieux de savoir quel caractère signifie quoi. Ce qui nous amène souvent à poser la question, qu'est-ce que veut dire ce caractère dans ce mot-là ? Mais il y a une question, c'est, par exemple, dans le chinois, le mot « poutao » est un mot. Si vous avez « pou » et « tao » séparés,它就没有，它们单独是没有意思的，必须要把两个字，组合在一起才有葡萄这个意思。但是这个你就没有办法跟他们讲清楚，因为对他们来说，一个汉字就必须要有一个意思。Donc c'est plutôt frustrant pour nous quand on entend des trucs du genre, oh, tout seul ça veut rien dire. Bah si, ça veut dire quelque chose, c'est juste que bah c'est pas connu. Et le dernier point important quand vous parlez avec un étranger qui apprend le chinois, c'est l'accent, parce que pour la plupart d'entre nous, quand on apprend le chinois plutôt classique, dans le style de celui de Pékin. Donc on apprend à dire des trucs du genre « zhèr nǎr », qu'on n'entend pas forcément tout le temps en chinois. Mais le truc, c'est que quand on se balade en Chine ou quand on va vivre dans plusieurs coins de la Chine, on rencontre des accents un petit peu différents. Donc ça, c'est vrai partout. Si vous venez en France à Marseille, ce sera un accent un peu différent. Si vous allez à Liverpool en Angleterre, ce sera un anglais un petit peu différent. Mais après avoir pratiqué le chinois à l'école pendant plusieurs années, ça nous fait un petit peu bizarre d'entendre des trucs du genre ce. Par exemple, moi j'avais appris cette petite comptine, vous savez, le donc quand j'arrive dans un magasin et qu'on me dit que ça coûte ce yuan, ça me fait un tout petit peu mal. Ah, donc le point c'est que quand les étrangers apprennent le chinois, ils apprennent le standard de la langue. Mais parce que notre langue est très vaste, il y a beaucoup de langues différentes. Quand vous parlez le standard de la langue, vous pouvez aussi avoir un peu d'accent. 这个时候可能他们就会出现他们听不懂的情况，那这个时候我们就只需要非常柔和的节奏慢一点再跟他们重复一遍就可以了。 OK, c'est tout pour aujourd'hui les amis. 我们很快再见啦。 A plus, bye. So what does the zhu in Zhuya mean then?
It means milk. No, that's nai. Yeah, but 如 too?